élève, bonjour. Je me nomme M. Ngono Orlan, professeur de français. Nous nous retrouvons encore, une fois de plus, dans le processus de la continuité pédagogique et des acquis sur l'étude du texte argumentatif. Et ce matin, avec vous, nous nous proposons de travailler sur la partie question en se servant du texte proposé ci-dessous. Et comme cela est de coutume, toute proposition d'un support exige de l'élève une bonne lecture afin de mieux appréhender les contours du texte à partir d'une grille de questions. Il en va de même pour l'étude du texte argumentatif dans sa partie compréhension ou question. À la fin de cette séance, portant sur les réponses aux questions dans l'étude du texte argumentatif, l'élève doit être capable de répondre correctement à toutes les questions posées à partir du texte proposé par l'enseignant. Et pour ce faire, nous pouvons nous demander en commun accord, qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Pour rappel, un texte argumentatif a pour but de convaincre, de persuader le locuteur. Et quels sont les éléments constitutifs d'un texte argumentatif? Le texte argumentatif est constitué d'une thèse, des arguments, des exemples et connecteurs logiques. Et quelles sont les différentes parties de l'étude du texte argumentatif? L'étude du texte argumentatif a deux parties essentielles, les questions et le travail d'écriture. À quoi renvoie la partie question dans un texte argumentatif? Dans le cadre de l'étude du texte argumentatif, la partie question permet de jauger les acquis de l'élève sur la compréhension et l'analyse du texte. En combien finalement de parties sont reparties les questions? Lesquelles? Elles sont reparties en deux parties, à savoir la compréhension et la pratique de la langue. Qu'entendez-vous par compréhension et pratique de la langue? La compréhension consiste à apporter un éclairage sur le fond, le message du texte. Et la pratique de la langue consiste à analyser le fonctionnement de la langue au moyen de l'écriture, notamment la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, l'orthographe, la syntaxe et bien d'autres. Et après avoir fait le contour des éléments essentiels ou des éléments de base de l'étude du texte argumentatif, nous allons lire le texte. On pourrait ici reprendre la classique distinction établie par Riesman
entre trois étapes successives dans l'évolution générale des civilisations, jusqu'à une époque relativement récente, c'est-à-dire dans les sociétés archaïques, antiques et médiévales, marquées par une économie de pénurie où l'instinct grégaire et celui de la survie régnaient par nécessité. C'était la tradition qui façonnait l'idéal des individus. Chacun d'eux avait sa place dans le groupe, comme l'abeille dans sa ruche, avec sa fonction, son but, et en vérité, il n'avait pas à se poser des problèmes. C'est ce même type de vie collective que Bergson a bien décrite sous le nom de société close. Dans ce contexte, on n'avait guère à se demander en quoi consistait le bonheur, ou bien si l'on avait le loisir d'y réfléchir. On ne songeait qu'à une sagesse valable pour tous et finalement à une sorte de félicité liée à l'accomplissement de la fonction sociale ou à la rigueur humaine telle que la voulait la société. Il n'y a plus de règles rigides, plus de lignes de conduite assignées à chacun, de génération en génération, mais seulement des orientations générales données par la famille et qui laissent une bonne marge d'action pour que l'intérêt de chacun s'accommode de celui des autres. Il n'y a plus une collectivité, mais des personnes qui ont à se forger leurs propres impératifs, leurs buts et leurs moyens, et se faire leur place selon leurs talents, leurs ambitions et leurs chances. Mais voici que commence la troisième forme de la société humaine, celle qui est au-delà du traditionnalisme et de l'individualisme, celle de la masse. Dans les nations hautement industrialisées, plus particulièrement dans les très grandes villes, surtout dans le Nouveau Monde et déjà partiellement chez vous, on en voit dessiner les traits principaux. Et c'est en cas, si l'on en croit Riesman, vers ce type de société que nous sommes en marche. L'homme ne sera plus formé par une éducation rituelle stéréotypée comme il était dans les sociétés archaïques semblables à la ruche ou à la fourmilière. Il ne sera plus fortifié dans son individualité par une imprégnation familiale comme il était dans les sociétés des siècles derniers. Il sera une sorte de robot pensant, soumis à l'action des moyens de communication, à la télévision, à la publicité. Son caractère sera façonné non dans le foyer de ses parents, mais dans le milieu social, celui des gens de même âge, de même profession. Modèle, sans le savoir, par une collectivité apparemment débonnaire, il sera autant que possible semblable à ses voisins, efficace et sociable comme il se doit, et n'aura guère d'autre vocation que de se perdre dans la foule. Son idéal sera d'être intégré dans le monde moderne, d'y acquérir le confort et d'étendre ses relations. Même dans les loisirs, il renoncera à sa personnalité et suivra le mouvement. Bref, la formule de l'homme heureux de demain, ce sera le conformisme. Jean Cazeneuve, Bonheur et civilisation, édition Gallimard, 1966. Nous venons de faire la lecture du texte à l'étude. Et sur ce, nous allons nous poser une série de questions pour mieux appréhender le texte. Qui est l'auteur? Qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur
de ce texte. Pour ce faire, nous allons répondre à une série de questions reparties en fonction des sous-parties, notamment la compréhension et la pratique de la langue. Ici, grand A, compréhension. La première question qui nous vient à l'esprit est de savoir bel et bien qui est l'auteur de ce texte. Et l'indication en bas du texte nous aide déjà à déterminer l'auteur. Donc on dira tout simplement l'auteur de ce texte est Jean Cazeneuve. L'auteur de ce texte est Jean Cazeneuve. D'où est extrait ce texte? Ce texte est extrait de Bonheur et civilisation. Bonheur et civilisation. Et après avoir lu le texte avec vous, on peut se demander quel est le thème de ce texte. Et après également lecture, nous nous sommes rendus compte qu'on nous parle de la civilisation, et notamment de la civilisation humaine, parce qu'il y a plusieurs types de civilisations. Donc, nous pouvons avoir pour thème la civilisation humaine. Le thème de ce texte est la civilisation humaine. La civilisation humaine. Relevé dans le dernier paragraphe du texte, la thèse de l'auteur, puis reformulée là en une phrase. Relevé dans le dernier paragraphe du texte, la thèse de l'auteur, puis reformulée là en une phrase. Et quand on regarde le dernier paragraphe, la thèse de l'auteur clôture le deuxième paragraphe. Cette thèse se présente comme suit. La formule de l'homme heureux de demain, ce sera le conformisme. La formule de l'homme heureux de demain, ce sera le conformisme. Nous venons de déterminer avec vous la thèse de l'auteur. Et après avoir déterminé cette thèse, on va la reformuler. Nous allons d'abord reproduire la thèse de l'auteur au tableau. La thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur se trouve dans le dernier paragraphe du texte. Dernier paragraphe du texte. Deux points. Nous allons la mettre entre guillemets parce que ce n'est pas notre pensée. C'est la pensée de Jean Cazeneuve. La formule de l'homme heureux
la formule de l'homme heureux. Ce sera de l'homme heureux de demain, de l'homme heureux de demain. De l'homme heureux de demain, ce sera le conformisme. Nous venons de reproduire la thèse de l'auteur au tableau. On doit maintenant la reformuler, c'est-à-dire nous allons employer nos propres mots, nos propres expressions, mais tout en restant dans l'idée de l'auteur. Et la reformulation peut nous donner, on peut avoir la reformulation suivante. Le bonheur de l'homme, donc reformulation, deux points. Le bonheur de l'homme futur, le bonheur de l'homme futur résidera, le bonheur de l'homme futur résidera Le bonheur de l'homme futur résidera dans la civilisation du conformisme. Dans la civilisation du conformisme. Point. Tout comme l'on pouvait aussi dire que le bonheur de l'homme où l'homme doit s'adapter ou se fondre dans la civilisation des masses. C'est aussi une possibilité. Donc, l'homme doit ou... Donc, ça, c'est la première possibilité. On peut avoir une deuxième possibilité. L'homme doit se fondre dans la civilisation des masses. Voilà. Maintenant, si on veut garder futur, on pouvait aussi dire l'homme futur doit se fondre dans la civilisation des masses. L'homme doit se fondre dans la civilisation des masses. Ça, c'est la deuxième possibilité de reformulation que nous pouvons avoir. Quelles sont, selon l'auteur, les différentes étapes successives de l'évolution générale des civilisations ? En se remémorant de ce texte, nous nous rendons compte que l'auteur a donné trois types de civilisations. Nous avons la civilisation traditionnelle, nous avons la civilisation de l'individualisme et nous avons la civilisation du conformisme ou des masses. Donc, ici, on aura selon l'auteur, virgule, les différentes étapes
les différentes étapes successives de l'évolution générale des civilisations sans selon l'auteur, les différentes étapes successives de l'évolution générale des civilisations sont deux points. Premier tiret, nous avons la société. Nous avons la société archaïque. On a aussi employé l'expression antique dans le texte. Médiéval, médiéval ou traditionnel. Deuxième société évoquée, c'est la société de l'individualisme. Et nous allons terminer avec la société du conformisme ou des masses. Bien, nous venons de présenter les trois étapes successives de l'évolution générale des civilisations. Mais après avoir analysé ces différentes phases liées à les textes que nous étudions présentement, nous tenons tout juste de vous rappeler que ce n'est pas la seule formulation des questions que l'on peut avoir ou que l'on peut proposer en ce qui concerne la partie compréhension d'un sujet à l'étude. On peut vous poser des questions telles que relever les arguments qui justifient la thèse de l'auteur, quel est l'exemple qui soutient le point de vue de l'auteur et bien d'autres questions liées à la compréhension. Ça, ce n'est que l'ébauche, ce n'est qu'un canevas par rapport au texte que nous étudions présentement. Et nous venons d'analyser les questions que nous avons pu retenir dans le cadre de la compréhension et plus précisément de l'étude portant sur les questions de compréhension de ce texte. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase, celle qui porte sur la pratique de la langue, donc les questions liées à la pratique de la langue. Donc, grand B, pratique de la langue. Grand B, pratique de la langue. Pratique de la langue. Et conformément à la pratique de la langue, nous avons également une série de questions pour essayer d'analyser les quelques contours de ce texte. Donner le sens de l'expression se forger leur propre impératif. Donner le sens de l'expression se forger leur propre impératif. Donner le sens de l'expression se forger leur propre impératif. Nous dirons
le sens de forger leur propre impératif. Leur propre impératif est. Qu'est-ce qu'on entend par se forger leur propre impératif? C'est être maître de son destin. Être maître de son destin. Être maître de son destin. Nous venons ici de donner le sens de l'expression se forger leur propre impératif. Bien, après avoir donné le sens, on peut également vous demander de transcrire une phrase à un temps du mode indicatif selon la conception de celui qui propose le sujet. Dans ce cas précis, on vous demande de transcrire la phrase suivante au passé simple du mode indicatif. Donc, transcrivez la phrase suivante au passé simple du mode indicatif. Et la phrase est la suivante. La tradition façonnait l'idéal des individus. Transcrivant la phrase. La tradition. La tradition façonnait l'idéal des individus. Au passé simple. Au passé simple. Au passé simple au passé simple au passé simple du mode indicatif. Du mode indicatif. Du mode indicatif. Et au passé simple, on aura, transcrivant la phrase, la tradition façonnait l'idéal des individus au passé simple de l'indicatif. On aura deux points, la tradition façonna l'idéal des individus. Nous venons de transcrire cette phrase au passé simple. On peut aussi se demander, ou on peut vous demander également de relever, on peut également vous demander de relever un connecteur logique dans le deuxième paragraphe tout en indiquant sa valeur. Et quand on vous demande de relever, on n'a pas précisé le connecteur logique.
vous lisez le deuxième paragraphe, vous recherchez un connecteur logique et vous déterminez sa valeur. C'est différent de lorsqu'on vous dit le connecteur qui ouvre le premier paragraphe ou qui clôture. Là, la question est assez ouverte. C'est à vous de faire le choix du connecteur logique. Et dans le cas précis, nous avons ici, on nous demande de relever. Relevant un connecteur logique. Relevant un connecteur logique dans le deuxième paragraphe. Paragraphe tout en indiquant sa valeur. Bien, le connecteur logique que nous avons relevé dans le deuxième paragraphe, c'est mais. Nous venons ici de relever, mais ensuite il faut donner sa valeur. Qu'est-ce qu'il marque? Qu'est-ce qu'il apporte? Mais ici marque l'opposition. L'opposition. Nous venons de déterminer la valeur du connecteur logique. Indiquez la nature des propositions contenues dans la phrase suivante. Indiquant la nature des propositions. Contenues dans la phrase. La phrase est la suivante. Il renoncera à sa personnalité. Il renoncera à sa personnalité. Et suivra le mouvement. Nous avons ici la phrase à analyser. En guise de rappel, pour analyser une phrase, logiquement, il faut d'abord déterminer le nombre de verbes conjugués. Et quand on regarde cette phrase, on n'a qu'un seul verbe, c'est le verbe « renoncera ». Donc, conjugué au futur, c'est « renoncer » et « renoncera ». Et ici, puisqu'on n'a qu'un seul verbe conjugué, on n'a qu'une seule proposition également, et lorsque cette proposition est seule, elle a pour nature la proposition indépendante. Nous revenons sur cette question. Indiquez la nature des propositions contenues dans la phrase suivante. Et la proposition est la suivante. Il renoncera à sa personnalité et suivra le mouvement. Pour analyser logiquement une phrase, il y a deux critères essentiels. Le premier critère, c'est de repérer les verbes conjugués.
Et en lisant cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Nous avons le verbe « renoncera » et nous avons le verbe « suivra ». Et ici, nous avons deux verbes. Finalement, nous aurons deux propositions. Après avoir repéré les verbes, on peut vérifier, puisque nous avons deux propositions, quel est l'élément unificateur des deux propositions. Ça peut être les signes de ponctuation, ça peut être les conjonctions de coordination, on peut avoir des conjonctions de subordination, on peut avoir des locutions conjonctives, et pour terminer, les pronoms relatifs. Et dans le cas précis, nous avons entre les deux verbes le pronom, ou plutôt la conjonction de coordination « et ». Nous venons de l'encadrer. Après avoir encadré, il faut repartir les propositions par phrase ou bien scinder la phrase en fonction des propositions. Nous venons de scinder les phrases, mais que quelque chose ne vous étonne pas, parce que vous allez vous dire qu'après le « et », nous avons le verbe « suivra », il n'y a pas de sujet. C'est le même sujet qui impose l'accord aux deux verbes. Il y a ce qu'on appelle « ellipse du sujet ». Donc, le même sujet impose l'accord aux deux verbes. Notamment, on devait avoir « il renoncera à sa personnalité » et « il suivra le mouvement ». Puisque nous avons compris le fonctionnement ou la fonctionnalité de cette phrase, on peut maintenant passer à l'analyse proprement dite. Nous prendrons la première partie. « Il renoncera ». Il renoncera à sa personnalité. Il renoncera à sa personnalité. Nous avons ici une phrase, puisque cette phrase est seule, décalée de l'autre, puisque nous avons deux phrases bel et bien distinctes avec les deux verbes conjugués. La première aura pour nature la proposition indépendante. La proposition indépendante. Et la deuxième, qui commence à « et suivra le mouvement », nous avons également une proposition indépendante, mais cette fois-ci coordonnée, parce qu'il y a la présence de la conjonction de coordination « et ». Proposition indépendante coordonnée. Proposition indépendante coordonnée. Bien. Pour plus d'éclaircissement, parce que c'est une notion très délicate, pour plus d'éclaircissement, retenez que la phrase française est classée en trois catégories. Nous avons la phrase simple, nous avons la phrase composée et nous avons la phrase complexe. La phrase simple est une phrase composée d'un sujet, verbe, complément. Et la phrase composée, c'est l'association de plusieurs phrases simples où l'on retrouve les signes de ponctuation et les conjonctions de coordination. La phrase complexe est également une association de plusieurs phrases simples, mais cette fois-ci reliée ou rattachée par les conjonctions de subordination, les pronoms relatifs et les locutions conjonctives en fonction des notions que vous avez étudiées précédemment. Et après avoir abordé cette question, nous voulons tout juste marquer une précision essentielle en vue des préparatifs de votre examen de fin d'année. Vous devez retenir qu'à l'examen, ce ne sont pas toutes ces questions qui vous seront posées à la fois, étant donné que chaque partie, étant donné que la compréhension est notée sur 3 points, la pratique de la langue aussi sur 3 points. Donc, vous pouvez avoir 2 questions notées sur 3 points ou 3 questions qui vous donneront 3 points, mais on n'ira pas au-delà de la norme de notation requise. Et pendant ce cours,
Nous avons abordé toutes ces questions pour connaître les différents axes d'évaluation que l'on peut avoir en ETA, donc notamment l'étude du texte argumentatif. Nous venons ici d'aborder toutes les questions que nous sommes fixées, mais nous n'allons pas vous laisser sans aborder, sans travail à faire à la maison, parce qu'on doit se rassurer que les notions ont été bien assimilées et comprises. Nous allons ensemble lire le texte d'évaluation. Nous allons ensemble lire cet extrait ensemble et les questions pour que vous continuiez le travail à la maison. Lisez le texte suivant et répondez aux questions ci-dessous. Texte. Les autoroutes électroniques sont annoncées comme la révolution industrielle du XXIe siècle. Pour Gérard Théry, l'enjeu est aussi important que la naissance des chemins de fer, de la voiture, de l'électricité ou de l'avion. Ce nouvel Eldorado a pour vocation d'abolir les disparités sociales et culturelles. Or, c'est sans doute le contraire qui risque de se produire. Les études montrent que les nouvelles technologies de l'information accroissent les différences socio-culturelles. Les personnes s'adapteront d'autant plus facilement à la nouvelle donne qu'elles sont issues d'un milieu aisé. Les autres iront à reculons ou refuseront d'y revenir. Dans ce contexte, le tiers-monde risque de se retrouver encore plus isolé et de voir sa culture encore plus marginalisée. Nicolas Stiel, Universalia, 1995, Multimédia, La Nouvelle Frontière, Encyclopédia, Universalis, éditeur. Et après avoir lu ce texte, vous aurez une série de questions. Quel connecteur logique marque le passage de la thèse adverse à la thèse défendue? Quel connecteur logique marque le passage de la thèse adverse à la thèse défendue? Relevez dans le texte un argument qui soutient la thèse défendue. Relevez dans le texte un argument qui soutient la thèse défendue. Relevez les exemples utilisés par l'auteur. Donnez le sens des expressions « Nouvelle Eldorado, disparité sociale ». Analysez logiquement la phrase suivante. Les autoroutes électroniques sont annoncées comme la révolution industrielle du XXIe siècle. Mettez la phrase suivante au présent de l'indicatif. Les autres iront à reculons ou refuseront d'y revenir. Les autres iront à reculons ou refuseront d'y revenir. Justifiez l'accord de marginaliser dans la phrase suivante. Sa culture encore plus marginalisée. Vous avez une série de questions et vous allez poursuivre le travail à domicile. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là, dans l'optique de se retrouver la prochaine fois et toujours dans le cadre de l'analyse ou de l'étude du texte argumentatif, notamment en sa deuxième partie, intitulée « Travail d'écriture ».